Bonjour à tous, c'est BenRaster85 et on se retrouve pour un nouvel épisode de Robocraft Mission Coopération et comme qui dit Mission Coopération signifie que je ne suis pas seul. Salut BZHular, c'est ça. J'ai bien prononcé. C'est ça, hein, plutôt Bredzular, hein, parce que notre ami il est breton, hein, c'est bien ça. Exact. C'est ça, et moi je suis vendéen, hein, donc ce qui fait que ça va, on est l'un à côté de l'autre, on n'est pas loin je pense. Hein. On est pas loin, sauf que. Et après à la fin vous allez voir on va se bourrer au chouchen et au à la trousse pinette. Hein. Non, on n'est pas comme ça, c'est quand même une vidéo. Alors oui, justement, il m'attend. Donc ce qu'on va faire c'est que. Alors comme vous le savez maintenant, les platoons sont. Ils sont revenus en arrière, c'est c'est justement chez Free Jam. Et ce qui fait que maintenant on peut faire des platoons en mélangeant les tiers, enfin ce qu'ils appellent maintenant les MK. Et comment ça marche? Simplement vous avez maintenant un robot ranking. On va faire échec, hop, passons, c'est pas ça. On repasse en mode build parce que ça a un peu changé, mais bon, ça arrive. Vous voyez que maintenant il y a maintenant un robot ranking qui permet qui est donc justement la puissance en fait qui est en fait le rang de votre robot. Ça à la base, c'était un système qui était caché et qui en fait on voyait sur la petite barre. Alors qui permettait justement correspondait plus ou moins à votre tiers. Ben maintenant vous avez maintenant le ranking qui est affiché et donc maintenant ça va jouer par rapport à ça. Donc là comme vous pouvez le voir, maintenant je ne joue plus avec le buggy kamikaze, je vais jouer carrément avec un autre type de vaisseau que j'ai entièrement refait. Il s'appelle le Snow Racer 2150. Hein. Ouais, 2150, référence bien sûr à 2015, hein, etc. Ça va, je t'ennuie pas trop Hilar? Non, en espérant que tu ne fasses pas comme pauvre techno, hein, qui malheureusement a eu un problème de connexion et qui s'est retrouvé spectateur au tout début de partie. Alors pareil, on va faire donc aussi ce qu'on va faire aussi, je tiens à vous prévenir que ça va être c'est vraiment un retour aux sources parce qu'on va refaire justement une partie classique, hein, ce qu'on appelle vraiment le tout début, les premières parties de Robocraft, hein, c'est-à-dire une team deathmatch, hein, simplement. Vous voyez, je vais lancer la partie direct, voilà, on n'attend pas. Hein. Alors pourquoi aussi? Parce que pour deux raisons. La première c'est qu'en fait, pour l'instant, surtout quand on est en platoon, le problème c'est que c'est très long d'avoir des parties des smash. Et regardez, on a de la chance puisque nous sommes sur la nouvelle map. Qu'est-ce que c'est pas joli. Nous sommes sur la nouvelle map, en plus c'est génial. Ah, et voici notre ami Hular, nous sommes Bredzular. Qui se retrouve avec, bien sûr, on s'est vu bien sûr avec quel véhicule on a, il se retrouve avec un médic. Ok, d'accord, il y a un autre platoon aussi de l'autre côté, on est deux platoons en fait, un platoon de chaque équipe, et on est parti. Alors juste, éteindre mes loupiotes parce que pour l'instant j'ai pas eu trop envie de me faire repérer, et on va y aller en douceur. On va aller par le milieu, c'est plus simple. Ouais, ouais. On fait le structure, bon, ici, je vais faire doucement en passant par le barrage. Je veux dire que depuis qu'ils ont un nouveau map maker maintenant, les maps elles sont juste magnifiques quoi, hein. C'est pas... dire on va aller en douceur. C'est une nouvelle map de glace d'ailleurs, comme vous pouvez le constater, donc ce qui fait que je suis quand même un peu avantagé quand même par rapport à mon type de composition. Attention, il y a un Gugus. Go. Merde. Attention. C'est pas une très mauvaise idée qu'il a eu de passer par là, de toute façon il va mourir. Si c'est pas par moi, c'est par quelqu'un d'autre. Non, mais il a spot tout le monde. Ouais, ça c'est pas bon. Donc ça veut dire qu'il a prévenu tout le monde qu'ils sont là. Ouais, la preuve, parce que... Ils sont tous sur le barrage, hein. Ouais, attention. Ok, je vois ça, parce que là, apparemment, ça a l'air d'être OP. Ouais, je confirme, parce qu'ils arrivent. Attends, je vais essayer de passer par autre part. Oh, putain. Merci. Besoin d'huile. Lui, l'air, j'arrive, je suis... Ah putain, il a des TX. Ah putain, je suis coincé. Je vais mourir, je suis mort. Ah mince, non. Je suis mort, t'es mort aussi? Non, pas encore. Non, mais ça va pas tarder. Ah ok, parce que visiblement... ah voyez, c'est vraiment le... c'est vraiment retour aux sources, parce que c'est vraiment le fait qu'on fasse plusieurs parties à la suite. Ah, il y en a qui s'appelle le... Skynet, ça me fait rire. Ouais, où t'es? Ah bah t'es déjà mort. Ouais. Bon bah écoute, on va faire une deuxième. Bah écoute, on va refaire une deuxième partie alors. Allez, on est reparti, hein. Plusieurs battles comme au bon vieux temps. Ah la vache, ça rappelle vraiment des souvenirs quand même. Hein. Ah dommage. En même temps, je viens tout juste de le finir, hein. Je tiens à préciser que je l'ai pas encore pris en main. Hein. Même si vous voyez, c'est qu'il n'y a plus le x2, mais bon.
Alors on est reparti, il faut bien sûr repartir en build, on touche E et on passe et on repasse en team deathmatch. Voilà, de toute façon il n'y a pas grand chose qui a changé, hein. C'est juste que maintenant... Voilà, de toute façon maintenant le temps d'attente ne devrait pas être très long, hein. C'est ça qui est bien en fait. Par contre je remarque que... ça a été une véritable boucherie parce que comme il a spoté tout le monde en fait, tout le monde est arrivé d'un coup et donc forcément on a été un peu, surmené. Mais bon, on peut voir quand même que c'était... bon... Moi le problème c'est que j'ai un peu trop foncé dans le tas. Parce que le problème c'est que j'ai foncé sur le SMG, je me suis dit c'était bon. Le problème c'est que le medic à côté le soignait, donc forcément je pouvais pas gérer de trucs. En plus il avait des électroplettes de TX. Donc forcément j'étais un peu comme un... Fallait forcément que je passe derrière lui, et... mais malheureusement j'avais plus d'armes pour le taper. Et donc forcément... Voilà, je me suis retrouvé comme un idiot. Alors, en espérant que... Alors, si le temps de chargement est pas trop long, de toute façon, c'est pas compliqué, vous aurez toute la vidéo, sinon, ce que je ferai, bah, je couperai au montage, comme d'habitude, hein. De toute façon, vous connaissez la règle. Alors, bah, sinon, après, de toute façon, je pense qu'on peut discuter un peu de tout, n'importe quoi, hein, hein, qu'est-ce qu'on dit ? Tout à fait. Ouais, je suis plus... Parce que c'est vrai que... Une attente de ce qui se passe. Ouais, parce que c'est vrai que... Bon, après, c'est vrai que, bon, on n'a pas... Tu t'avais déjà... Le ranked, il est à combien, le tien, déjà ? C'est deux... Est-ce qu'on... Le mien est de, à 165. Ouais, donc on a à peu près... on a 10 ranked de différence, donc ce qui fait que, vous voyez, on arrive à... Ce qui fait que ça va, ça reste quand même assez équilibré, ce qui fait que finalement, on arrive à faire des platoons... Où finalement on se retrouve, c'est-à-dire que moi je peux faire du dégât et au final bon c'est vrai que si je tombe derrière pareil on va faire du dégât parce que sinon à la base c'est vrai qu'après le truc c'est que ce genre de système comme c'était possible avant le problème c'est qu'on peut se retrouver avec des tiers vachement en dessous et ce qui fait que bah, malheureusement toi tu fais pas de dégâts et forcément si t'as pas quelqu'un pour protéger derrière comme un bah tu te fais poutrer la gueule, hein. c'est vachement c'est ça en fait, c'est ça le truc aussi. Vous aurez droit au débat, hein. C'est ça qui est bien. Ah et nous sommes partis, c'est impeccable. Alors on se retrouve bien sûr à une nœud classique, hein. Est-ce que je demande si mon... Alors normalement c'est la map justement auquel on teste justement nos robots. Donc je l'avais testé sur celui-là. Alors avec l'overclock ça va, je vais mettre avant vite. Alors, on peut voir qu'également il y en a qui ont dû racheter des robots, hein, parce qu'on peut voir que je vois à côté normalement. Alors toi t'es ouf. Je suis derrière. Ah nous avons un funbot avec nous. Stardust 083, je crois que c'est lui, hein. Ouais c'est ça. Nous avons un funboat, hein. Vous pouvez le voir, hein. Il est juste là. Et c'est un quoi? C'est un smiley? Ah oui c'est ça, d'accord c'est la... Ah oui c'est vraiment the pixel art, hein. Par contre je n'arrive pas à voir d'ici, hein. Je pense qu'on va se retourner. Ah oui d'accord, je reconnais, c'est notre... c'est le président du Nintendo qui est mort, hein, pour ceux qui se rappellent, hein. Rip à lui, hein. Il a fait de bonnes choses. Bon alors nous on est parti, on... Quelle direction? Allez à gauche. Ok, à gauche. Ah, encore, regardez, encore un funboat. Décidément, on tombe que sur des pixels. Non, des pixel boats peut-être même. Ok, ah, ça commence déjà à se fighter. On va éviter d'aller, je vais éviter d'aller à gauche. Et c'est, ils sont... Oui, merci, je crois que j'avais compris. Merci de me l'indiquer, mais je crois que j'avais compris qu'il fallait surtout pas que j'aille par là. Attends, hop, un petit saut. Wow. Ah oui, ils sont tous là en plus, hein, je confirme, ils sont tous là. Ah ils sont tous là, puis ils ont tous là. Ah c'est que des funboats, hein. Ouais. Faut péter leur médic. Ah ils ont 3 médics avec eux, ça va être délicat de les puter, hein. Ah je crois que t'es mort. Je vais pas tarder à faire. Ouais, surtout que les gars ils jouent n'importe comment, donc c'est un peu compliqué. Ouais d'accord, attends, c'est certes. Ah ils se réparent mutuellement, ça va être super délicat. Ah, contre 3 médics, je vois pas que ça va le faire, ça va pas le faire. Ouais, ça va pas le faire. Ah, dommage. Bon bah, je suis fini par mourir également, hein. Ah, ouais. Malheureusement, te guide sur l'équipe de bras cassés, c'est un peu ça aussi l'inconvénient. Bon, de toute façon, maintenant, on peut requitter, hein, de toute façon. Ah, ça me rappelle vraiment les premières parties qu'on faisait avec, justement, un quelqu'un que vous connaissez. Qui s'appelle Inatasan, enfin qui n'est pas... Enfin, je parle de ceux qui regardent mes vidéos, bien sûr, hein, donc vous voyez. Hein. Ouais, vraiment, beaucoup de choses qui ont changé. Hein. Hop, on repart pour un tour, et on est reparti pour un tour. Partie finalement assez rapide, je pense qu'on va faire le même principe, je pense, que je faisais avant, dans les premières vidéos, c'est-à-dire pas plus de 4. 4 parties, et puis voilà, hein, qu'on gagne ou qu'on perd, peu importe, le but c'est de s'amuser. Hein. Voilà.
N'est-ce pas le premier but d'un jeu? Après tout. Tout à fait. Voilà. Puis de toute façon, après, c'est un jeu que j'apprécie, que maintenant que j'ai enfin appris à réapprécier grâce à leur... C'est vrai qu'avant, lorsqu'il y avait eu leur dernière mise à jour pour dire qu'ils avaient tellement changé de trucs, c'est, je pense que ça en a dégoûté plus d'un. On est notamment dans la communauté, hein, Robocraft Game FR. Hein. Si vous lisez le forum, hein, vous voyez qu'il y a beaucoup de trucs. Moi également, parce que ça m'a mal dégoûté. Au bout grâce au fait que les gens ont pu XP un peu, ça a fini par remonter au niveau des joueurs. Mais après, après c'est sûr que. En fait, c'est vrai que ce gros changement là, c'est sûr, ça après, il y a eu beaucoup d'appréciation, parce qu'on peut enfin ça, qu'il n'y a plus enfin de limite de construction. Hein. Ce qui est mieux, c'est ce qui devait être Robocraft à la base, et donc forcément, ben maintenant, on peut voir des véhicules de toutes sortes. On a pu voir, comme par exemple cette notre partie, on a fait une partie avec des pixel bots, hein, et dans les deux équipes d'ailleurs, parce que j'ai remarqué quand même qu'à côté, c'était pareil, c'était des pixel bots, des pixel bots, hein, franchement, parce que... Ah, TC Trouble, apparemment, il y en a qui jouent avec les tout premiers. Et apparemment de l'autre côté aussi, parce qu'on a le Rebelle de l'autre côté, et on a le Terror Myth... De l'autre côté, bon ça c'est apparemment il y en a qui ont acheté. Je pense Sniper, Work in Progress. j'adore les noms qu'ils donnent à leurs robots, c'est toujours marrant. On remarque que de toute façon les parties sont toujours sur des équipes très variées au niveau des nationalités. Hein. Ça peut être autant russophone que anglophone. Hein. Voire même allemand. Hein. Hein. Ok, alors là ce qui est bien c'est que je suis avantagé sur cette map. C'est sûr que on serait également je vais y arriver. En arena, enfin ce que vous voyez avec le combat avec les réacteurs, ouais. Alors par contre, il y en a un qui est pas loin. Il y en a spoté. Lui il vient de s'embourber dans la. Alors, est-ce que moi je vais pouvoir passer sans problème? Attention. Oui, je passe. Je suis passé. Oh les. Ça c'est un peu l'avantage de cette patinoire. Alors je vais essayer d'essayer de pas trop me faire repérer. Apparemment, il y a le Tesla qui est ici. Ok, ils sont tous montés. Par contre, je peux plus spotter. On va essayer de monter sur leur truc. J'ai pas trop envie de me faire repérer. Du coup, c'est pas forcément de gagner comme ça. Ouais, je confirme, il y a tous les... En tout cas, il va se faire contrer. Alors, où est-ce qu'il est? Il y en a un qui est là. Je vais essayer de le péter. Alors, lui, il s'est retourné et il va mourir. Il a déjà sur ma place, hein. Ok, et je l'ai tué grâce à... Attends, quelqu'un sur notre base, attends, j'y vais, je suis plus vite. Ah d'accord. Plus légèrement derrière. Ah d'accord, par contre, je suis plus de réaction. Merci. Propulsion. Ok, on go. Station, il y en a deux, un plasma et un... Le SMG, je m'en occupe. C'est le SMG, je m'en occupe. Je vais vous dépêcher parce qu'ils sont quand même pas mal arrivés. C'est bon, hop, l'avantage, je vais le foncer dedans. Ok. Ouais, je comptais, attends, je vais péter leur médic. C'est bon, leur médic est inoffensif. Besoin d'aide. Oh putain, c'est un carbone, vite. Je vais crever. Ça va, tu t'en sors? Je vois avec la kill cam, c'est marrant. Ah bah t'es mort aussi. Bon bah on quitte, hein. Bon, je pense que c'est mal parti pour pouvoir. Ouais, ils sont tous là, ils sont tous à notre base. Quoique, je pense qu'on. Ah, il est en train de jouer. Ça joue la montre. C'est bien. Je pense qu'on. Regarde, je vais regarder la partie. Je pense que tu vois. Ah finalement on a gagné, regarde. Alors finalement j'ai fait combien de dégâts? Ah finalement, t'es sérieux? Je suis deuxième de notre team. Deuxième. Par rapport au score final. C'est sympa. Bon forcément. Hop. Et bien sûr parce que le héros bonus, je ne suis pas mort en vain. Ah là là. Ah le vin. Allez, je pense qu'on va filmer une petite dernière, hein. Team Deathmatch, bien sûr, évidemment. Donc ça fait combien déjà? C'est deux morts, une gagnée, et la prochaine, ça sera quoi? Une gagnée ou une perdue? Enfin, je veux dire une perdue, on va dire une baroude d'honneur, on va dire. Parce que une perdue en vie.
Est-ce qu'on va réussir à rester en vie? Telle est la question. Bon, en tout cas, t'en as l'avantage, c'est que le temps d'attente est moins long maintenant. De toute façon, je pense que je filmerai une Battle Arena. Bon, pas tout de suite, hein. Pour attendre un peu que ça se stabilise, le nombre de joueurs, notamment dans les platoons. Puis après... Voilà. Ah. Alors, nous disons oui, bien sûr. Ah, tu l'as pas nommé ton robot, toi? Robot 7. Non, pas encore. Robot 7, Boba 7. Okay, parce que je l'ai recréé il y a pas très longtemps. Ah oui, d'accord. Par contre, c'est vrai que t'as énormément de... en même temps, je regarde par contre la conception. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. C'est ça. Voilà, comme je vous dis, pas de limite. Hein. Parce que regardez, le mec qui est à côté de moi, il a quand même la carbone TX quand même. Hein. Je sais pas si vous vous rendez compte. Hein. C'est quand même assez costaud. Bon, par contre, ça l'oblige quand même à n'en avoir qu'une. En espérant juste qu'il fasse pas de la merde avec. Hein. C'est tout ce qu'on lui demande. Ah, move. T'arrives comment? Comment t'arrives toi à faire ça? Parce que moi j'y arrive pas en fait. Contrôle gauche et puis après la souris. Contrôle gauche et la souris. Ah, t'as repéré du monde? Moi j'ai rien repéré du tout. Non, apparemment il y a des gens qui... Ah, apparemment il y a du monde ici. Apparemment, parce que je vois qu'il y a une alarme. Il y a du monde, ok. Par contre, ils sont en train de faire le tour. Qu'est-ce qu'on fait? On va les rusher ou on attend tranquillement qu'il se passe rien? On va aller les retrouver. Ah, par contre, il y a... Ouais, d'accord, ouais, je confirme, ils sont de l'autre côté. Oh, t'as... Je peux traverser, j'essaie d'aller les retrouver. Il y a le Tesla qui est juste devant ma tronche. Il va mourir. Ok, et merde, comment je suis coincé? Merde, je suis coincé tout seul! Non, non, c'est pas le moment! Putain, je suis coincé! Putain, merde, je suis coincé! Putain, je suis en train de me faire poutrer! Parce que... Ah, putain! Vite, vite, allez, casse-toi! Wow! Attention, recule, reviens vers moi si tu peux. Ouais, ouais, j'ai ce que je suis en train de faire là, par contre. Oh, putain! L'autre côté. Je suis dans les classes. Ah putain. Là je suis du mauvais côté, là je suis du mauvais côté. C'est en train de me poutrer par derrière. Du côté. Je vais rejoindre. Ouais, je peux. C'est bon, putain. Le SM... Ah ben... Le CMG par terre, si tu peux, dans la glace. Il y a un snipe qui me défonce. Ouais, non, le problème c'est que là. C'est que là. Ah putain, non, merci. Dommage, je me suis fait poutrer par leur médic. Moi, je suis fait poutrer par leur médic. Ah, j'ai comme. Ah putain, on est mort. Bon, t'es mort aussi. Bon, bah, désolé, on a perdu. Mais bon, t'es sérieux, c'est moi qui ai fait le plus de kills de la partie. Mais. Ah, bah, d'accord, lui il va se faire poutrer. Bon, bah, tant pis. Voilà. À un moment le truc meurt, team défaite. J'adore. Bon, besoin d'un peu de réglage je pense sur cet engin. Bon, en même temps on a des rankings assez différents, donc forcément, ce qui fait que forcément ça va jouer dessus, hein. Vous pouvez le voir, hein, ça, c'est normal, hein. Donc mais bon, c'est vrai qu'après, donc après c'est plus un T9, parce que toi c'était plus sur T10, c'est sur un T10, c'est ça en plus, hein, toi. Non, c'est un T9. Un T9 aussi. Avec des canons T8. Il T8. Ouais, c'est ça. Bah moi en fait c'est un... Non, en fait c'est un T8 avec des canons T9 plutôt. Donc vous voyez, c'est plutôt l'inverse. C'est vrai que ça va plus privilégier la puissance que la protection. Bon, c'est vrai qu'après, comme vous pouvez voir, c'est quand même assez efficace, parce que quand je fonce dans les... Voir que la Tesla est assez efficace quand je fonce dans le tas. Alors, c'est sûr, il est pas fini, hein. De toute façon, je pense qu'il va falloir que j'améliore un peu 2 ou 3 trucs. De toute façon, ce truc est peu conçu pour être passé après en mode en haut-tiers. Et sur ce, ben on va vous laisser, puis on vous dit moi je vous dis à la prochaine, hein, peut-être pas avec Brez, mais au moins, mais avec d'autres personnes. Allez, sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao !